Allez, salut tout le monde, c'est TheFrag HD, j'espère que vous allez bien les gens. Pour ma part, ça va super bien, je suis vraiment très grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Troll of Duty hein, sur Black Ops 2, donc ça me fait grave plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais faire un petit truc droite, gauche, mais quel est ce fou youtubeur qui commence un live en faisant ça? Non, c'est juste pour vous expliquer rapidement, pour ceux qui me connaissent pas. Chaque début de live, je fais ça pour synchro le fichier audio et le fichier vidéo. C'est plus simple pour moi sur Sony Vegas, ça me facilite la tâche et ça vous fait pas plus chier que ça, mais on va pas débattre là-dessus parce qu'on sent pas les couilles. On est là pour du troll et vous êtes là pour du troll. Et on est sur la map raid. Alors putain, une map excellente pour troller. Vraiment bon. Le problème c'est qu'elle est tellement excellente que c'est devenu la map préférée des trollers. Du coup, tout le monde connaît tous les spots de raid, tout le monde connaît les endroits, les cachettes, la façon de jouer de The Frag, et c'est casse-couille. Non, c'est vrai que je vais vous dire un truc, de plus en plus le troll devient compliqué sur YouTube. Non, je veux dire, sur Call of Duty en règle générale hein, parce que sur MW3 c'était d'une simplicité ouf. BO2 ça passait encore et Ghost c'est plus possible. Et maintenant, vu que Ghost c'est vraiment nul et que personne y joue quasiment, pas beaucoup de gens en tout cas, beaucoup plus à BO2 j'ai l'impression. Et bah du coup, il y a tout le monde qui a retourné sur Black Ops 2, mais tout le monde, beaucoup de gens regardent mes Troll of Duty, beaucoup de gens connaissent le troll de plus en plus. Du coup, les endroits, les spots, tous les endroits et tout, ils sont connus, c'est de plus en plus compliqué. Oh putain, ça commence vite. Il était à ma droite. Il m'avait pas vu, hein. Il était à ma droite, il est passé sans me voir alors que c'était un troller. Enfin, j'ai vu un cool un kill, pardon, cool. Un kill au cap 40 et un kill au couteau. Je me suis dit, bah ça peut être un troller. Ok, il est juste à ma droite. Putain, je suis dans la merde. Passe devant moi. Oh oui, il passe devant moi, tu vas voir. Migration d'hôte. Génial. Si ça bug, je pète un câble. Clairement dit, mais ça va pas bugger, c'est bon, c'est pour moi. Bon, allez, c'est ma manche, celle-là, c'est ma manche. J'attends juste qu'il passe un peu, s'il passe pas, je vais me lever. Oh putain, pourquoi? En quel honneur je me suis levé. Pose là. Départ les mecs. Ah, ça me fait tellement rire. Ah non. Oh shit. Je suis deg, vous savez que le pire c'est que mon pied il était en train de sortir du mur, tu sais, donc c'était le mec genre complètement cramé de A à Z. Ok, c'est des barres, ok, ça commence super bien. Première manche assez sympathique, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai un peu trollé là, je vous avoue. Bon, en règle générale, ceux qui connaissent mes Troll of Duty, les débuts de partie sont jamais excellents. Et puis après, petit à petit dans la vidéo, vous allez voir, je me chauffe et ça commence à être un peu mieux. Bon, après, c'est pas une question de niveau le troll. Hein. Bon, il y a des gens qui trollent mieux que d'autres, mais c'est surtout ce que vous avez en face de vous, quoi. C'est ça vraiment le plus souvent. C'est que bon, voilà, des fois, vous avez des mecs qui sont balèzes en face de vous, qui jouent grave leur vie, qui connaissent tous les spots, etc. Et des fois, vous avez des mecs, bah, je sais pas, t'as l'impression qu'ils jouent à Call of Duty depuis 2 jours. Et du coup, ça vous facilite un petit peu la tâche. Bon, j'espère que mes alliés vont se faire vite niquer, que je vais pouvoir troller comme... Putain, mais c'est un truc de dingue, en fait. On est parti pour perdre 4-0, là. Genre, mes alliés, ils avancent, ils sont tous éclatés un par un, tu sais, genre... Oh, putain. Oh, là. Bien joué, il l'a eu. Oh, putain. 3 contre 3, oh putain, lui il est mort. Attention, votre équipement a été détruit. Oh dar les mecs, c'est reparti. Regardez-le, regardez. Regardez, vous êtes prêts pour la kickam? C'est 4 prêts à sauter. Allez. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé de rigoler avec ce rire de sadique, ce rire de fou. Mais genre, je sais pas, quand tu vois un mec qui essaye de tuer un de tes alliés avec son sniper depuis 20 secondes, 30 secondes, et que toi t'es derrière depuis tout à l'heure et que tu lui mets une petite petite charge électrique Betty dans son cul. Ok, faut qu'on pose la bombe. Il va poser en A. Ok. Drone allié en approche. Allez, y
yes. Oh putain, je savais qu'ils m'auraient revu, les mecs. Je ne pouvais pas prendre ce risque, les gens. Je ne pouvais pas prendre ce risque. S'il avait continué, je l'aurais suivi toute la map. Je vous jure, je l'aurais suivi jusqu'à. Je l'aurais trollé, je me serais mis sur lui. Je l'aurais pété le fion si vous voulez. Mais là, je pouvais pas. Regardez, là, il est revenu. Là, il allait me tuer, c'est sûr. Et heureusement que j'ai eu le réflexe du cut. Hein. Je suis en train de faire une bonne partie. Ça va, hein. Deux manches de troll. Hein. Deux premières manches de troll. Alors, normalement, dans une partie, si j'arrive à faire que du troll dans toutes les manches, c'est quasiment le meilleur Troll of Duty que j'ai tourné depuis le début de ma chaîne. Parce que ça m'arrive quasiment jamais. Je peux pas tourner. Ah ouais, mais attends. Ok, franchement, cette cachette est juste épique. C'est-à-dire que ce côté-là, le Troll of Duty commence super bien sur Red. Côté où on doit poser la bombe. Maintenant, les manches de défense, je sais pas si ça sera la même chose. Ça me stresse un peu plus, je vous avoue. Je vous cache pas. Hein. On a perdu la bombe. Oh putain. C'est un truc de dingue! Ah ouais, non, coque 3-3, ça va, ça passe. Faudrait que mes alliés, en fait, faudrait qu'il en reste un en face, ça serait énorme. Un ou deux, pas plus, quoi. Ah, dès que je suis contre 3-4 mecs, en règle générale, c'est un peu chiant. Pff, toi, le C4, tu l'as vu passer dans ton fion. Ok, c'est parfait. Radar. Je recharge. Non, non. Et vous savez quoi, tout à l'heure c'est moi qui l'ai brain, et bah cette fois-ci, enfin je sais pas si c'était le même mec, mais tout à l'heure c'est moi qui brain un ennemi, bah là c'est lui qui m'a brain le couteau. Alors que je commençais déjà à le suivre et tout depuis un petit bout de temps, enfin bon pas depuis hyper longtemps non plus, mais... Oh, c'est pour toi, bien vu, oh, bien vu, bien vu. Ah, dommage. Ok, bon bah ça, alors pour l'instant franchement, en plus normalement j'ai tendance à mieux troller en manche de défense qu'en manche d'attaque. Ceci dit sur Red, c'est pas encore dit. Mais pour l'instant, voilà, sur 3 manches, j'ai trollé 2 premières manches... plutôt pas mal, assez sympa vraiment. Là j'allais troller, je commençais déjà à troller la troisième manche, mais je me suis fait prendre un petit coup de brain au couteau, ça arrive, c'est pas grave. Ok, alors là les gens, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Donc, le problème c'est que plus il y a de gens qui regarderont mes vidéos, plus je ne pourrai plus troller, donc plus ma chaîne disparaîtra de ce monde de YouTube. Non, je sais pas façon de parler quoi. Mettre comme ça les gars. Voilà, là c'est le spot ici. Alors normalement, il y a pas mal de gens. Oh merde. Merde, 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 merde. Mauvaise idée. J'essaie de le suivre mais c'est pas une bonne idée. Putain, j'ai niqué toutes mes putains de bêtises. Enfin mes charges électriques, je voulais dire. Parce que normalement, en fait, je crois que quand vous êtes allongé et que vous tenez une charge électrique dans la main, à ce qui paraît, vous serez moins visible. C'est prouvé, je sais pas. Oh putain, c'est en haut. C'est en haut, le mec en haut ne m'a pas vu derrière moi. Alors il y a mon allié qui est passé pour voir s'il y avait du monde. A priori, il y a personne. Si, ah bah si. A priori, il y a personne. Si, tu vas prendre un gros coup de pompe dans tes dents, mon gars, tu vas voir qu'il y a quelqu'un. Putain, Flo, ok, on a 8 minutes, un peu plus de 8 minutes de vidéo. Putain, faut pas qu'il me voit. Parce que là, je sais. Oh putain, mon allié s'est fait éclater. Qu'est-ce qui vient de se passer? Si, pose en A les gens et que je fais un ninja diffuse, c'est le plus beau Troll of Duty de ma vie, je crois. C'est en tout cas. Putain, à ma droite, il m'a pas vu. Je l'entends. Regarde le ré. Oh mon dieu. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Pardonnez-moi les gens. Pardonnez-moi d'avoir gueulé comme ça. J'aurais donné, vous savez que j'aurais mis mes couilles sur une table et qu'on me les aurait coupées pour faire ce putain de ninja diffuse. Triple feed couteau en R&D, putain, déjà c'est pas mal en live, hein, faut dire ce qui est. Et alors en plus, si j'avais enchaîné le ninja diffuse après, oh là 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 là, comment je me serais gavé, putain. Ah, c'est dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, là ils vont encore gagner la manche. Théoriquement, oh putain, putain. Allez, c'est pour toi mon coco, tu l'as. Oh oui, oh là là, tu lui mets une feinte, oh putain. Le hitmarker, qu'est-ce que ça va te coûter? Oh! Ah non! Ah non! Ah non, il a été pris par le temps.
C'est dommage. Donc vraiment une putain de première partie hein, sur Red. C'est vraiment un Troll of Duty qui commence bien. Cet épisode 16 est prometteur. Du coup, je vais vous expliquer. En règle générale, j'aime bien faire durer les Troll of Duty une bonne vingtaine de minutes quand on est plusieurs. Là, sachant que je suis tout seul, je vais pas faire une vidéo non plus d'une demi-heure tout seul. Je vais essayer de faire une première partie là en entière. Donc déjà, celle-ci, je pense qu'elle va être super sympa. Je vais en enchaîner une deuxième. Si la deuxième, elle est pas bien, bah, y a pas de galère, hein, c'est pas grave. Je mettrai que la première. Et puis de toute façon, vous verrez que déjà, c'est... NON ! Jamais de ma vie ça m'est arrivé les gens. Jamais de ma vie ça m'est arrivé de finir un putain de Troll of Duty, une partie comme ça, en me faisant niquer en spawn. Putain, je suis dégoûté. Bon bah les gens, voilà, je vais vous proposer cette première partie. Je vais quitter, on va quitter rapide, vous allez voir. Si cette partie elle était vraiment super sympa. Si je vois que la deuxième partie que j'enchaîne là, elle est pas super bien, je vous mettrai que la première partie sur Red.